and today i'm uh, therefore pleased to confirm that we have officially endorsed the necessary formal decisions and practical solutions for the timely implementation of the withdrawal agreement and that of its protocol on ireland and uh, northern ireland uh, by the end uh, of the transition period in relation to the protocol implementation, this means that we have delivered on our overarching objective to protect the Good Friday-Belfast Agreement, avoid the hard border on the island of Ireland and thereby contribute to maintain peace, stability and prosperity on the island. Ce sont the British who have fixed the very short deadline within which we are now constrained. En refusant au mois de juin toute forme de prolongation de la transition qui leur était possible, qui leur était proposée, et nous étions d'accord, ils ont fixé ce délai du 31 décembre pour euh, ce moment de vérité. Nous voulons une coopération commerciale et économique ouverte et ambitieuse, mais elle doit être juste, équitable, free and fair. Fair and free. Elle doit être fondée sur ce qu'on appelle le un level playing field je préfère dire euh, compétition équitable, euh, fair competition, c'est-à-dire des règles de concurrence loyales et des standards élevés en matière euh, de normes sociales, d'environnement, de climat. Et si le Royaume-Uni souverain souhaite diverger à l'avenir, c'est son droit, mais cela euh, ne peut pas être sans conséquences. Le Royaume-Uni souhaite aussi retrouver sa souveraineté s'agissant de la pêche, de pouvoir contrôler l'accès de ses eaux. Comme je l'ai dit souvent et je le répète devant vous, nous l'acceptons et nous le respectons. Mais si le Royaume-Uni veut, après une période d'ajustement crédible et suffisante, pouvoir couper l'accès à ses eaux pour les pêcheurs européens, à n'importe quel moment, l'Union européenne doit avoir aussi un droit souverain de réagir ou de compenser en ajustant alors les conditions d'accès à son marché pour l'ensemble des produits, et notamment pour les produits de pêche. Et c'est là que se trouve une des grandes difficultés actuelles de la négociation sur ce dossier de la pêche, qui fait partie de l'ensemble de notre partenariat. S'il est évident que nous voulons un accord, il est aussi évident que cet accord, nous ne le ferons pas à n'importe quel prix. Alors que je vous parle très sincèrement, et je vous ai toujours parlé en vérité et sincèrement, je ne peux pas vous dire quelle sera l'issue de cette dernière ligne droite de la négociation. Voilà pourquoi nous devons être prêts à tous les scénarios. Voilà pourquoi aussi est soumis à votre vote une série de, de textes comportant des mesures de contingency pour nous préparer à un éventuel no deal. Yesterday, la Conférence des présidents a we que nous, parliament Parlement européen, sommes prêts à organiser une session extraordinaire vers la fin de décembre, en cas d'un accord finalisé à midi on ce Sunday. we stand ready to debate the outcome of the negotiations intensively as soon as possible and we stand ready to thoroughly scrutinise the final text. but, colleagues, one thing has to be very clear. this would be a unique scenario and cannot and will not serve as a precedent for future agreements. los planes de contingencia también deben servirnos para lanzar a londres un aviso claro. La comisión, Los 27 Estados miembros y este Parlamento mantendremos nuestra cohesión hasta el final. Somos conscientes de que la ausencia de un acuerdo en las circunstancias actuales de pandemia sería muy negativo para ambas economías, pero también sabemos que el Reino Unido sufriría incluso más si no se llega a un acuerdo. En fin, lo que ries de nos costar muy dans en los próximos días ha sido el refus de tratar en amont los puntos más les delicados y más litigiosos, las reglas de competencia equitables, por ejemplo. On, veut de, on demande au Royaume-Uni de respecter les normes européennes, y compris les décisions de la Cour de justice, alors même que c'est précisément une des, un des motifs, une des raisons pour lesquelles ils ont quitté l'Union européenne. Autre problème, bien sûr, c'est la pêche. La pêche est un point fondamental. Espérons que les intérêts des Pays-Bas, du Danemark, de la France ne soient pas sacrifiés euh, parce que Berlin euh, n'y voit pas un, un intérêt, un enjeu fondamental. Comment croire, en effet, que l'on puisse en quelques jours passer au crible à traiter un traité d'un volume et d'une importance politique sans précédent? pour l'union et dont nous n'avons à ce jour pas vu le premier paragraphe. quelle que soit la confiance que nous puissions avoir dans nos négociateurs et la probabilité politique d'une ratification ce qui est en jeu ici est le respect des procédures des responsabilités et rôles des contre-pouvoirs ce que l'on appelle en anglais les checks and balances. let's take a unilateral measure towards the students in britain that they can continue unilaterally Uh, to make use of Erasmus. It's a pro European generation, this young generation, and it's this generation who will bring back the UK inside the European family in the next decades, dear colleagues. Thank you. Last but not least, we also agreed to pursue our joint efforts in ensuring that during the grace period britannique mise en comme nous nous y attendions.